Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Ubuntu 15.10 qui est sortie il y a de cela 2 jours, puisqu'au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 24 octobre 2015. Sans plus attendre, je lance la machine virtuelle Ubuntu et je passe en plein écran. Donc pour info, comme d'habitude, Ubuntu est décliné en plusieurs éditions, la Ubuntu avec le bureau Unity, Xubuntu avec XFCE, l'Ubuntu avec LXDE, KUbuntu avec KDE, etc. Donc j'ai choisi la version par défaut Ubuntu qui propose l'environnement de bureau Unity. Nous voilà donc à l'écran de chargement l'IDM et je vais me connecter à ma session. C'est parti pour la visite guidée. Donc l'installation de Ubuntu, je l'ai faite de manière très classique. En français, et j'ai sélectionné installer Ubuntu sur le disque en entier. Donc le bureau Unity se charge, voilà. Donc une fois installé, on a un petit récapitulatif de l'ensemble des raccourcis clavier qui sont disponibles avec Unity. Voilà, par exemple là, super, ça ouvre l'accueil du tableau de bord. Donc si j'appuie sur la touche super, hop, ça ouvre le menu Unity. Donc le menu Unity, il change pas trop, hein, avec un onglet accueil, où on a les applications récemment utilisées. L'onglet applications, où on a toutes les applications installées, utilisées récemment. L'onglet documents, où là on peut faire une recherche dans les documents qui sont présents sur l'ordinateur. On peut faire une recherche dans les vidéos qui sont stockées sur l'ordinateur ou je suppose sur internet, parce que tout ça c'est pas dessus. Idem pour la musique et idem pour les photos. Alors je voudrais montrer l'équipement logiciel. Ça va être un peu compliqué puisque on n'a pas de... Ah si, voilà, ok. Alors ici, je vais mettre application. Vous voyez, là, on peut chercher sur Google Drive. C'est cool. C'est pas très libre, mais bon. Alors, je vais tout virer là. Voilà. Je vais laisser juste les applications. Alors, applications. Donc, les applications. Comment je vire ça? Par exemple, si je veux rechercher juste ce qu'on a dans musique. Bon, bref, on va essayer de faire autrement. Je suis un peu paumé avec ça. J'ai plus l'habitude de KDE. Ah, voilà, 72 applications installées. Donc, côté équipement logiciel, on a un client BitTorrent qui est transmission, gestionnaire d'archives de GNOME, fichier qui doit être un Nautilus. On a LibreOffice, la Logitech Ubuntu. Je vais revenir dessus tout à l'heure. La messagerie Empathy. Thunderbird Firefox pour l'internet, quelques jeux, le moniteur système que je vais lancer incessamment sous peu. Voilà, quelques petits outils, le terminal, visionneuse d'images, de documents. On a aussi Remina pour faire du bureau à distance et la gestion du son Pulse Audio. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais lancer le moniteur système. Qui rame un peu là. Alors, je pense que c'est l'effet VirtualBox du coup. Donc le moniteur système, on utilise sur la machine actuellement 953 MO de RAM, hein, sur 2 Go. C'est un peu beaucoup gourmand, dites donc. Ouais. Pas loin d'un bon giga pour Ubuntu avec un CPU qui s'excite un peu là. Donc bon, il faut une bonne machine pour installer Ubuntu. Visiblement. Et ici, donc 3,9 gigaoctets utilisés pour la partition racine. Bon, c'est pas mal. On voit que l'installation par défaut de Ubuntu utilise tout l'espace disque. Donc j'ai un disque d'une vingtaine de gigas. J'ai une partition swap, je pense, qui a été créée. Je vais regarder si j'ai parted là-dedans. Non. C'est juste un peu long. Voilà. Ouh. Ah non, il n'est pas installé. Alors, visiblement, on peut installer directement depuis le panneau là, non? Alors, view.
Non, je sais pas. Je sais absolument pas comment fonctionne Unity, hein. Je suis un fan de KDE. D'accord. Bon, alors ça ouvre une page internet. Enfin bref, je pense qu'on a une partition swap de 1 Go et 19 Go donc de partition racine. Et le, il n'y a pas de partition home séparée. Tout est dans le slash. C'est ouais, c'est la méthode un peu gros bourrin. Du coup, si on a besoin de réinstaller, si on formate la partition racine, eh ben on perd nos documents puisqu'ils sont pas sur une partition séparée. C'est un peu couillon ça. Je ferme ça. Donc ici, je vais lancer le gestionnaire de fichiers. Par défaut, tous les répertoires utilisateurs sont bien traduits en français. Documents, images, modèles, vidéos, téléchargement. On doit avoir un Nautilus dans le coin là. Alors, je ne sais absolument pas comment. Ah ouais, aide à propos. Voilà, donc un gestionnaire de fichiers qui doit être Nautilus en version 3.14. Ouais, il me semble que GNOME, là, on est à 3.18 là, en ce moment. C'est un peu hors d'âge, hein, mais bon, ça va encore. On remarque avec Unity, donc on n'a pas la barre de menu fichier édition affichage. En fait, elle est incorporée dans la barre supérieure. Donc c'est sympa, on gagne un peu de place quand on est en plein écran. Voyez. Par contre, quand on n'est pas en plein écran, quand on est en mode fenêtre, eh ben, si on veut ouvrir le menu fichier, on est obligé d'aller chercher directement le menu fichier là-haut. Bon, c'est pas très pratique. Passons à Firefox qui est installé également. Donc on dispose d'un Firefox, la dernière version en date, la version 41.0.2. On n'utilise pas la version ESR, du coup on bénéficie d'une alternative sérieuse à Skype qui s'appelle Firefox Hello. La version ESR de Firefox n'active pas Firefox Hello. Donc ça, c'est un bon point. Allez, on va quand même alterner bon point et mauvais point. Ici, on retrouve la présence d'Amazon, des gadgets Amazon. Donc, bon, on voit, je pense, comment dire, un partenariat avec Amazon et Ubuntu. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Chut, je vire. Passons à un autre point fort. Alors, la suite LibreOffice, LibreOffice 5. Donc, c'est plutôt du récent. LibreOffice 5.0.2.2. À nouveau, on retrouve un LibreOffice parfaitement traduit en français. Ça, c'est vrai que c'est le gros point fort de Ubuntu, c'est que les traductions sont au taquet. La Logitech Ubuntu que je lance. Alors certes, elle est usine à gaz, elle est un peu longue à lancer. Certes, mais on retrouve vraiment une Logitech bien foutue, pour être poli. Vous voyez, on a donc les logiciels nouveautés. Les mieux notés, on peut chercher par catégorie. Et donc je vais installer mon fameux Gparted de tout à l'heure. Donc voilà, on a quand même quelques illustrations qui présentent le logiciel. Hein, on a des images, voilà. Et on a le lien vers le site web du développeur. On a une description du logiciel en français. On peut l'installer ici. Et on peut même choisir pour ce logiciel donné des greffons supplémentaires. Là, DM RAID si on veut gérer des partitions RAID. NTFS 3G si on veut gérer des partitions NTFS et avec leur notation à côté. Donc ça, de ce côté-là, la Logitech est plutôt bien faite, bien illustrée en français. Ah, voilà, il faut quand même s'authentifier pour installer des logiciels. Mais non, cette Logitech par rapport aux autres distributions, elle a l'avantage quand même d'être complète, illustré et en français. C'est pas mal. Voilà. J'ai Gparted nouvellement installé. Il s'affiche dans le lanceur ici. Donc, je pense que Unity part du principe qu'un logiciel nouvellement installé a besoin d'être lancé dans la foulée. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est affiché de manière temporaire sur le dock à côté. Donc, ça, c'est pas mal. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, donc on a bien une partition racine et une partition swap qui sont créées à l'installation. Alors, je dis que c'est mal fait parce qu'on n'a pas de partition home séparée, mais il faudrait voir avec un disque de plus grande taille si aussi tout est mis dans la même partition ou pas. Mais j'ai un souvenir d'avoir installé lors d'une permanence de l'association Coagule un Xubuntu
sur un disque de 500 gigas où tout était dans la même partition. Bon. Donc je pense que c'est pas lié à la taille du disque. Voilà, donc je ferme ça. Le module de mise à jour ici qui s'affole un peu. Donc voilà, on peut mettre les mises à jour en graphique. Ça se passe pas par le Logitech Ubuntu, c'est par un autre petit logiciel à côté. Donc là, c'est assez axé pour les débutants. Là, on nous dit qu'il y a des mises à jour. Plus tard, maintenant, on les installe. Et par défaut, ça nous donne pas une liste de paquets incompréhensible. Mais pour les curieux, on peut afficher le détail des mises à jour. Voilà. Et à nouveau, il faut recliquer ici pour voir l'ensemble des mises à jour qui vont être installées. Donc c'est vrai qu'un débutant va pas forcément voir le détail, il va cliquer sur installer maintenant. Et puis il se souciera pas de savoir que c'est libtrucmuche ou libqt53 là qui se met à jour et il sait pas ce que c'est. Donc de ce côté-là, j'apprécie à nouveau la simplicité pour les débutants de Ubuntu. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Alors, on va regarder vite fait. Donc à l'installation, j'ai pas coché la case installer les greffons propriétaires MP3. Je vais regarder si Flash Player, malgré de ne pas cocher ça, si Flash Player est installé. Donc voilà, Flash Player n'est pas installé si on coche pas la case par défaut à l'installation. Enfin, si on coche pas la case logiciel propriétaire et tout le blabla. Donc on a un peu de moins de logiciels propriétaires dans Ubuntu. Je disais tout à l'heure qu'on avait la chance d'avoir Thunderbird comme logiciel de messagerie directement inclus dans Ubuntu. S'il veut bien se lancer. Voilà. Donc je configurerai mon compte plus tard. Donc on retrouve ici la dernière version de Thunderbird, je suppose, donc 38.0, 38.3.0. Voilà. Et dans Thunderbird, nous avons une extension qui est installée par défaut, ici, qui correspond à la petite enveloppe située à côté de l'horloge, voilà, qui se met à clignoter en bleu quand on reçoit un courriel. C'est assez pratique. On voit que, du coup, les applications Ubuntu sont parfaitement intégrées dans Unity. Ça, c'est un bon point. Voilà, donc les logiciels sont à jour. OK. Passons quand même aux petites choses qui fâchent. Vous voyez ici, donc on a un thème, bon, ok, on a un thème, il est comme il est, hein. Les barres de menu sont sombres, le contenu des fenêtres sont clairs. Si on veut changer d'apparence, on peut choisir donc Radiance qui nous offre un thème tout clair ou Ambiance, mais on n'a rien d'autre, on n'a pas d'autre thème. Si on a High Contrast, mais qui est un thème tout moche, qui je suppose est fait pour les gens qui ne voient pas très bien. Mais on n'a pas quand même l'embarras du choix pour ajouter des thèmes et sélectionner des thèmes. Donc ça, c'est un peu dommage. De plus, dans la machine virtuelle, vous voyez, il y a des espèces d'effets de bureau là, quand on réduit, on agrandit le. Voilà, hop. Tout ça, finalement, j'ai pas vu le moyen de le désactiver. Donc si on a un PC un peu lent et qui a quelques problèmes pour afficher des graphismes haute définition, bon, ça peut être un peu gênant pour l'utilisation. Sinon, oui, j'oubliais, donc détail quand même, Ubuntu 15.10, c'est quand même le minimum. J'aurais dû le présenter au début. Et au niveau du terminal, voilà, que je vais lancer. Terminal qui est tout riquiqui. Hop, donc on va grossir un peu là. J'aurais bien aimé quand même qu'ils mettent les fenêtres au centre de l'écran quand je les ouvre, mais bon, c'est pas grave. Unem-A, voilà. Donc on a un kernel 4.2.0 qui est au jour d'aujourd'hui la dernière branche stable du kernel. Hein, la dernière branche stable, c'est le kernel 4.2. Hop, je vous prouve cela tout de suite en allant sur kernel.org. Et ici, voilà. Dernier kernel, donc c'est la branche 4.2.4, donc la dernière branche 4.2. Donc on est à jour. Ok. Waouh.
Les applications par défaut ici, donc on a Firefox pour les sites web, Thunderbird pour les courriels. Ce qui est bizarre, c'est qu'il nous sélectionne Gedit pour les calendriers. Bon, Gedit, c'est un éditeur de texte. Pas trop un gestionnaire de calendrier, donc là c'est un petit truc bizarre que j'ai vu. Pour la musique, on a Rhythmbox, vidéo pour vidéo et visionneuse d'image pour les photos. Donc il me semble que vidéo, c'est notre ami Totem. Ça doit être le logiciel par défaut de Gnome. Hop, je vais le lancer vite fait. Voilà, s'il veut bien. Bon, c'est dommage que ça rame tant que ça, là. Ouais. Donc, aide... attendez, hop. Ah oui, bon, ok, voilà. S'il pouvait me le réduire au milieu. Sommaire. Ah, mais il est chiant de me mettre ça en bas à droite, là. Voilà. Donc, manuel de lecteur vidéo Totem. Donc, c'est bien Totem qui est utilisé. Voilà. Et Rhythmbox pour la vidéo, pour l'audio. Alors, hop, Rhythmbox. Je ne saurais jamais où sont les H et les Y là-dedans. Voilà. Donc, Rhythmbox qui est livré souvent avec un bureau Gnome. Voilà. Donc, Rhythmbox qui est ici. Bon, les logiciels livrés sont plutôt peu nombreux. Mais l'essentiel est là, le navigateur web, lire les courriels, rédiger des documents bureautiques, faire des présentations avec Impress, enfin bref, la suite LibreOffice, la Logitech, un lecteur de vidéo, d'audio, c'est parfait. On a le strict minimum, qui prend un peu de place quand même. La prise en charge de la langue, c'est nickel, tout est en français. J'ai pas vu de petits bouts de mots en anglais, là, même dans la Logitech. Donc ça, c'est vraiment un sacré point fort. Par contre, comme vous le voyez sur mon écran en 1080p, le curseur de souris est vraiment minuscule. J'aurais bien voulu le grossir un peu, mais je n'ai pas trouvé le moyen de grossir le curseur de souris. Parce que vous voyez, si on va dans souris et pavé tactile, on n'a que la possibilité de régler le double clic, la vitesse du pointeur, si on veut que le clic général soit gauche ou droite, mais on n'a pas de... on n'a pas la possibilité de grossir le curseur. Même dans les options d'accessibilité, j'ai pas vu cette possibilité là. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de beau dans sécurité et confidentialité? Voilà, bon, si on veut un mot de passe pour sortir de veille. Ce qui est dommage, c'est que dans confidentialité, on n'a pas la possibilité, si on peut, donc voilà, hein, décocher d'envoyer des rapports d'erreur à Canonical. Parce que finalement, c'est pas vraiment ce qu'il y a dans ces rapports. S'il y a des infos sur la config, le nom d'utilisateur. Et puis, voilà. Donc, dans le tableau de bord, ici, on peut couper la recherche en ligne. Ce qui fait que là, voilà, si je veux pas, dans le tableau de bord, dans la recherche, si je veux pas que s'affichent les images, la musique, les présentations, les vidéos, les documents, les feuilles de calcul, enfin tout ça, je peux même tout, vite, voilà, tout verrer. Et maintenant, dans le tableau de bord, on a un peu moins de choses, je pense. Voilà. Voilà, c'était le petit tour que je voulais faire sur Ubuntu 13.10. Non, même pas, 15.10. Le temps passe vite. Je suis toujours pas fan des distributions, comme je les appelle, Debianesques, hein, tout ce qui est basé sur Debian, Ubuntu, etc. Mais j'avoue que pour un débutant, c'est pas mal, Ubuntu. Tout est en français. Donc ceux qui ont un peu horreur de l'anglais, c'est assez sympa. On n'a pas de mots anglais qui se baladent un peu partout. C'est orienté et c'est assez accessible. Vous voyez, les mises à jour, on n'a pas des détails inutiles qu'un nouvel utilisateur, en les voyant, serait perdu. Tout fonctionne plutôt bien. L'impossibilité... entre guillemets, de changer le thème, de déplacer cette barre ailleurs. On n'a pas les désagréments de KDE où on va personnaliser son bureau énormément et du coup le faire planter ou se retrouver avec 10 icônes qu'on ne voulait pas. Mais
Du coup, d'autre part, ça nous prive quand même un peu de liberté, hein. Si moi je veux trier mon menu comme j'ai envie, je ne peux pas le faire. Si je veux mettre ma barre en haut, en bas, je ne peux pas le faire. Donc ça, c'est quelques limitations de l'environnement Unity qui sont un peu désagréables pour les utilisateurs un peu plus avancés. Mais globalement, tout fonctionne bien. La distribution est quand même un peu gourmande. On a vu pas loin d'un giga de RAM utilisé. Mais pour un débutant qui a un bon PC, je la trouve bien, franchement. Je dis pas quand même que je l'installerai sur tous les PC des débutants. Je préfère quand même Linux Mint qui est un petit peu plus légère. Mais bon, cette expérience Ubuntu 15.10 ne me déçoit pas tout à fait quand même. Voilà, j'éteins la distribution. Ça devrait s'éteindre assez vite puisque pour les spécialistes, on utilise systemd. Voilà, donc ça, l'extinction est vachement rapide. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!